L'influence de la maltraitance psychique pendant l'enfance. Selon les dernières études, la part des facteurs génétiques qui jouent un rôle dans l'apparition du trouble bipolaire et qui se transmettent entre les générations est estimée entre 60 et 65. La part restante est donc attribuée aux facteurs environnementaux. Parmi eux, la maltraitance infantile qui est un facteur déclenchant mais aussi, un facteur aggravant de la maladie. Lumière sur les dernières études faisant le lien entre bipolarité et traumatisme vécu pendant l'enfance. Les chocs psychiques vécus pendant l'enfance doublent le risque de survenue de la bipolarité. Les facteurs environnementaux influençant le risque de survenue de la bipolarité et agissant pendant l'enfance et / ou l'adolescence sont aujourd'hui bien identifiés. Il s'agit notamment du stress chronique vécu pendant la période infantile et la consommation de cannabis au moment de la préadolescence ou de l'adolescence. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'INSERM, dont le psychiatre Bruin Haut-Étain, en 2010 sur 300 individus, les traumatismes psychologiques augmentent le risque de survenue de la bipolarité d'un facteur 2,14. Autrement dit, un enfant ayant subi un choc émotionnel pendant son enfance a deux fois plus de risques de développer un trouble bipolaire. Les traumatismes psychiques infantiles sont aussi des événements favorisant l'apparition des états de stress post-traumatique, du trouble du déficit et de l'attention avec hyperactivité, TDA, ou encore, des tentatives de suicide. Au-delà d'être un facteur déclenchant, ce traumatisme psychologique subi pendant l'enfance est également un facteur de sévérité de la maladie. En effet, les personnes bipolaires ayant subi des maltraitances psychiques ont davantage de risques de développer leur bipolarité précocement, présenter une alternance de phases dépressives et maniaques plus rapides. Des séquelles au niveau des gènes. Et si les traumatismes psychiques vécus pendant l'enfance s'inscrivaient dans le patrimoine génétique? Cette hypothèse repose sur l'épigénétique. En effet, une modification de la structure de gènes, sous la pression de facteurs environnementaux, change leur niveau d'expression. Peu à peu, les recherches dans le domaine des mécanismes épigénétiques montrent que le génome, l'ensemble des gènes, subit des transformations chimiques suite à l'exposition à un événement traumatisant. Les études mettent notamment en évidence que les personnes ayant vécu certains traumatismes d'ordre physique, émotionnel ou sexuel portent des séquelles sur leurs gènes dédiés à la régulation de développement du système nerveux central. Cependant, les chercheurs n'ont pas encore montré une corrélation entre le degré de la maltraitance intensité, fréquence et durée dans le temps, et l'importance des répercussions sur le génome. Reste désormais, d'un point de vue génétique, à affiner les recherches pour montrer si l'impact sur le génome est d'autant plus important que les événements traumatisants ont été intenses, répétés et ont perduré dans le temps. L'identification de ces marqueurs biologiques permettront, à terme, de développer des stratégies thérapeutiques personnalisées.